Attendez, je vais vous aider. Mais si, tu vas voir, c'est mieux là-bas. Et le patron, je le connais. Décidément, il n'y a que dans les bas-fonds comme ici que l'empire de Gabia ne règne pas encore en maître. Ouais, mais tu vois le résultat, cette ville tombera bientôt sous leur coupe, comme toutes les autres. Au moins en mer, on est tranquille, hein? Ça, tu peux le dire, en mer, il n'y a pas toutes ces guerres stupides. Nous sommes des hommes libres, et en plus, la mer regorge de vestiges, ceux que tu aimes tant chercher. On vit dans un monde effroyable. C'est bien pour ça que je veux t'aider à accomplir ton rêve. Tu peux me croire, un jour, on va y arriver. Oui, on y arrivera. Oh, mais... Excusez-moi. Merci. De Galbia. De toute façon, je commençais à m'ennuyer ici. Raison de plus pour décamper. Bon, allez, on s'en va? Avec joie. Du pays libre de Belvia, déposez immédiatement les armes. Ou mes troupes vous écraseront tous jusqu'au dernier, comme les misérables vermisseaux que vous êtes, car nul ne peut résister impunément à la puissance de Darius, le magnifique, le grand empereur de la Terre. Viens. Hé, arrêtez-vous! Vous entendez? Arrêtez-vous! Arrêtez, vous dites! Allez, vite, par ici! Faut les rattraper, pour qu'ils nous échappent! Ah non, on est coincé. Tant pis, on saute. Tu as raison, je crois qu'on n'a pas le choix. Ça va? Ah ouais, ça va. Allô, Batiscaf 13. Ici Ricky, Batiscaf 13. Faites immédiatement surface à l'endroit prévu. Allez, on y va.
parlais de mon rêve, Ben. Tu sais, de découvrir un jour l'Atlantide, ce continent englouti que ni mon père ni mon grand-père n'ont pu trouver. Eh bien, moi, je sais que je vais y arriver. Je finirai par retrouver cette civilisation disparue. Quand ce jour viendra, je serai l'homme le plus heureux de la Terre, tu peux me croire. Oui, je sais, tu as dû me dire ça un bon millier de fois. Alors, c'est pas que je sois fatigué, mais si tu pouvais parler d'autre chose pour changer un peu. Ah, excuse-moi, Ben, je sais que j'abuse de ta patience, mais c'est vraiment plus fort que moi. Tu comprends, c'est comme s'il s'agissait d'un héritage moral. Je dois réussir pour prouver que papa et grand-père n'étaient pas des illuminés. Oui, oui, je sais, rassure-toi, je plaisantais. Mais du moment que je suis en mer, je suis heureux. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Les machines ont subi des dégâts. Attention, tout va exploser. Oh non, c'est pas vrai. J'ai bien peur que si on n'arrive pas à faire son flat, on va monter d'air. J'étouffe. Dis, ça va? J'ai mal. Oh. Mais qu'est-ce que ça peut être? Ben, est-ce que ça va? Allez, réveille-toi. Ricky, ça y est, on est au ciel, tu peux me dire la vérité? Qu'est-ce que tu me racontes? On va très bien, on est tout ce qu'il y a de plus vivant. Hein? Tu as raison, tout a l'air de bien fonctionner. Ben. Oui, n'empêche que j'aimerais bien savoir où nous nous trouvons. C'est vrai, on dirait une prison. Ouais, y a quelqu'un? Non, Ben, calme-toi. Pas question, je tiens à savoir où nous sommes. Non, mais des fois. Et si on était dans un sous-marin de Galbia? Ben, si c'était vrai, il y a longtemps qu'on serait plus là pour en parler. Apparemment, vous avez l'air d'aller beaucoup mieux. Allez, donne-moi ton pot. Oh, mais c'est parfait, c'est ça l'avantage d'être jeune. Et vous, le vieux, vous allez nous dire où on est? Je ne suis pas aussi vieux que ça d'abord, et ici tout le monde m'appelle Smith. Vous êtes le médecin de bord, c'est bien ça? Tu devrais en prendre de la graine, une espèce de vieux pirate, il faut toujours rester courtois. Je regrette, mon vieux Smith, mais tu devrais me prendre comme je suis. En attendant, tu vas vite nous dire si on est bien dans un sous-marin et à quel pays il appartient, est-ce que c'est clair? À quel pays, hein? Enfin, c'est assez difficile de répondre à cette question, mais pour le reste, en effet, vous êtes bien dans un sous-marin. Excusez-moi, mais est-ce que ce ne serait pas un sous-marin nucléaire? Décidément, tu as l'air plus malin que ton ami. Tu as raison, il s'agit bien d'un sous-marin nucléaire. Excusez-moi. Je vous souhaite la bienvenue à bord du Nautilus. Je suis ravie de voir que vous allez beaucoup mieux. Et moi aussi, je suis ravi de vous voir, ma jolie. Et plus que vous ne croyez. Cela prouve au moins que ce navire n'est pas habité que par des vieux grincheux. Oh, dis-moi, tu n'aurais pas reçu une enclume sur la tête quand t'étais petit? Comment? Ça fait rien. Enchanté de faire votre connaissance. Je m'appelle Richard, mais tous mes amis m'appellent Ricky. Et moi, Sophia, mon père commande ce vaisseau. Alors vous allez pouvoir me dire ce qui est arrivé à mon bathyscaphe et à mes hommes? Suivez-moi. Bon, eh bien, je vous laisse. À bientôt, les amis. Mais c'est mon bathyscaphe! Bah, ça alors, il a l'air comme neuf. C'est impossible, ça peut pas être lui, surtout après cet accident. Ah, mais si! Si, si, c'est bien lui, je le reconnais. J'en reviens pas. Merci beaucoup, mademoiselle Sophia. Mais dites-moi, Sophia, où sont passés mes hommes? J'espère qu'ils n'en auraient rien arrivé. Ne vous inquiétez pas pour eux, ils vont tous très bien. Ça y est, mademoiselle Sophia, c'est terminé. Nous avons fini les réparations à l'intérieur. Ah, tiens, capitaine, vous aussi, ils vous ont sauvé?
Attends, espèce d'idiot, tu vas arrêter d'être venu au monde. Ah, mais c'est toi, vieux. Excuse-moi, je t'avais pas reconnu. Désolé, je t'ai pas fait mal. Oh, regarde, c'est bête. Ils sont tous là. Si tu veux mon avis, puisque tout est réparé, on devrait repartir le plus vite possible. Ouais, mais il faudrait tout de même remercier le capitaine. Oh, vous savez, c'est inutile. Je suis sûre que vous le regretteriez. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'on le regretterait? La porte, il faut m'emmener avec vous, je vous en supplie. Je regrette. Alors, Ricky, tu viens? Voilà, j'arrive. À votre place, je ne ferai pas ça. Mais pourquoi, papa? Chose. Alors écoutez les amis, quoi qu'il arrive, on va essayer de filer d'ici. Je suis le capitaine Nemo, commandant du Nautilus. Et j'ai le regret de vous apprendre qu'une fois qu'on est à bord de ce vaisseau, on n'en ressort plus. Comment ça? Mais enfin, papa. C'est valable aussi pour toi, chérie. Alors si j'ai bien compris, vous nous retenez prisonniers, c'est ça? Mais de quel droit? Silence! Tu t'appelles Ben, n'est-ce pas? Toi et Ricky, vous allez me seconder. Quant à vos hommes, ils travailleront avec les miens. Les tâches ne manquent pas à bord du Nautilus. Si vous acceptez ces conditions, vous pourrez circuler librement à l'intérieur du navire. C'est à prendre ou à laisser. Mais je vous préviens, si vous refusez, je vous fais mettre au fer jusqu'à la fin de votre vie. Oh! Non, attendez! Oui, attendez que je vous attrape! Mais c'est incroyable! Je me demande pour qui il se prend, celui-là. Nous sommes à moins de 100 mètres. Notre vitesse est de 30 nœuds. Parfait. Maintenez cette allure et mettez le cap à 30 degrés est. Pas vrai. Allez, Ben, arrête de tourner en rond. Évidemment, tu t'en moques, toi. On nous traite comme des bêtes. Et tu as vu ça? C'est bien simple. On a l'air de vrais clowns. Dans ton cas, ça ne change pas grand-chose. Et de toute façon, on n'y peut rien. N'oublie pas, on a l'océan au-dessus de nous. Et moi, le Nautilus commence à m'intriguer. Dis-moi, tu t'intéresserais pas plutôt à la petite Sophia? Mais où est-ce que tu vas? Voir si on est aussi libre d'aller partout, comme l'a dit le capitaine tout à l'heure. C'est sûrement le réacteur nucléaire. Oh, c'est vraiment incroyable. Ce sous-marin est immense. Ça dépasse l'imagination. Il faut le voir pour le croire. Ici, apparemment, c'est la salle de contrôle où se trouvent tous les ordinateurs. C'est là que sont stockées les torpilles. Et la taille de ces missiles, c'est fantastique. Qui jouiez du piano. Excusez-moi, j'aurais dû frapper avant d'entrer, mais cet air était si joli que je n'ai pas pu résister. Je vous demande pardon pour mon père. Étant donné les circonstances, je me demande si j'ai bien fait de vous sauver. Vous aviez une chance de vous en sortir seule. Si je comprends bien, c'est à vous qu'on doit la vie. J'espérais que j'allais pouvoir m'enfuir avec vous, loin du Nautilus. Malheureusement, c'est impossible. Mais pourquoi voulez-vous vous enfuir? C'est à cause de votre père? Non, c'est pour revoir maman. Je n'ai plus aucune nouvelle d'elle. Et je ne sais même pas où elle peut être. C'est incroyable.
Vous voulez dire aucune nouvelle, même pas une petite lettre? Non, rien du tout, mais je suis sûre qu'elle est vivante et qu'elle m'attend. Mais mon père, j'ignore pourquoi, refuse que je sorte d'ici. Il y a un an que je suis là. Vous avez l'air tellement triste. Pourquoi, Sophia? Parce que vous ne savez rien de ma vie. J'ai été élevée dans un petit village au pied des Alpes où j'étais heureuse. J'avais plein d'amis, il y avait des fêtes sans arrêt. Avec maman, je m'entendais bien. Le seul problème, c'était mon père. Il était presque tout le temps absent et chaque fois que je lui en parlais, elle avait l'air si triste. Mon père revenait nous voir une ou deux fois par an. Et il repartait aussi subitement qu'il était arrivé. Chacune de ses visites était entourée du plus grand secret. Après son départ, maman était encore plus triste que d'habitude. On m'expliquait que mon père était quelqu'un de très important, qu'il s'occupait d'un centre de recherche à l'autre bout du monde. Et puis, il y a un an, ma mère est partie en me disant qu'elle allait voir mon père. 10 jours plus tard, c'est lui qui est arrivé au village, sans prévenir. Il m'a dit que nous devions nous enfuir. Je l'ai supplié d'attendre le retour de ma mère, mais il m'a répondu que j'allais bientôt la revoir. J'ai crié, j'ai hurlé de chagrin, mais il n'y a rien eu à faire. Depuis, je n'ai plus jamais quitté le Nautilus et cela fait plus d'un an. Et chaque fois que j'ai le malheur de lui parler de ma mère, mon père se met en colère et change immédiatement de sujet. C'est vrai, il est vraiment bizarre. Est-ce que maintenant vous comprenez pourquoi je déteste mon père? Oui, ça doit être terrible. Mais si vous réfléchissez, ce n'est pas si grave que cela. Après tout, votre mère est encore en vie. Vous la reverrez bien un jour. La mienne, je ne l'ai jamais connue. Elle s'est éteinte 2 jours après ma naissance. Oh. Je n'ai aucun souvenir d'elle. Pas la moindre chose à quoi me raccrocher. Oh, Ricky. À vous, il vous reste un espoir, celui de la revoir un jour. Même si ce n'est pas pour tout de suite, vous savez bien que vous la retrouverez. Mais c'est maintenant que je veux la revoir. Vous ne comprenez pas. Elle me manque. J'ai besoin d'elle. J'ai besoin de son amour. Mais si, je le comprends très bien. Et je vais vous aider. Je ferai tout mon possible pour vous réunir à nouveau. Oh, c'est vrai, Ricky? Ouais, je vous le promets. Ah, j'en connais qui vont se régaler avec les bons petits plats que Maître Jim leur a préparés. Regardez-moi ça, sentez-moi ça. Est-ce que ça n'a pas l'air délicieux? Ça, c'est de la soupe de tortue. Ça, un bon petit ragoût de baleine aux algues et à la crème d'oursin. Eh bien, servez-vous, messieurs, et n'hésitez pas. Croyez-moi, vous allez vous régaler. Je vous remercie par avance pour ce festin, capitaine. Malheureusement, il y a quelque chose qui me coupe un peu l'appétit, le manque de liberté. Mais il me semble que toi aussi, tu passais ton temps sous les mers. Quelle différence cela fait-il que tu sois ici ou sur... Eh bien, sur le mien, j'étais libre. Je pouvais aller où bon me semblait, parcourir toutes les mers du monde, si je voulais, pour retrouver des traces de civilisation perdue. Dans ce cas, tu ne pouvais pas mieux tomber. Je recherche moi aussi l'Atlantide. Hein? C'est pas vrai. Je ne vous crois pas. Demande à ma fille. C'est exact? Oui, c'est vrai. Nous avons d'abord cherché les traces d'une ville engloutie dans l'océan Indien. Indien. Après, nous sommes partis à la recherche de l'Atlantide. Et c'est comme cela que nous avons croisé votre bathyscaphe. Alors, tu vois, tu as tout intérêt à rester à bord du Nautilus si tu t'intéresses à l'Atlantide. Ça m'étonnerait qu'avec la pièce de musée qui te sert de vaisseau, tu puisses la retrouver. C'est bien vrai. Vous vous passionnez, vous aussi, pour l'Atlantide? Mais oui. Alors, tu acceptes de nous aider? Oui, c'est d'accord. Mais je vous préviens, je ne supporte pas qu'on me mette des bâtons dans les roues. Alors, c'est dit. J'espère que, grâce à ton amitié, ma fille arrêtera de faire des caprices et de vouloir retourner à terre. Excusez-moi, capitaine, mais pourquoi vous ne voulez pas qu'elle aille voir sa mère? Si quelqu'un te le demande, tu diras que ce ne sont pas tes affaires. Ah, si, en plus, on ne peut pas ouvrir la bouche. Ben, je commence à en avoir assez de toi. Excusez-moi. Regardez, Sophia, ce sont des sous-marins de Galbia. Ils ne sont pas trop nombreux. On va pouvoir les couler. Venez vite, il faut prévenir votre père. Imbécile! Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Je vous avais pourtant interdit de quitter le Nautilus. Mais père! Si tu désobéis encore une seule fois à mes ordres, je te fais jeter à fond de cale, c'est compris? Et vous autres, qu'est-ce que vous attendez? Regagnez vos postes. À vos ordres. Il ne faut pas trop lui en vouloir, Ricky. Oh, ne vous en faites pas, Sophia. Après tout, ça fait mal, mais ça va passer. Et vous savez, c'est curieux, mais ça m'a rappelé mon père autrefois.
Parlez, je vous écoute. Capitaine, on nous signale une forme ressemblant à un sous-marin qui se rapproche de nous. Ça doit être un de ceux qu'on a aperçus tout à l'heure. Il se rapproche de plus en plus, capitaine. Quels sont vos ordres? Mais répondez-leur, enfin! Tube lance-torpille en position! Arrêtez! Mais capitaine, c'est maintenant ou jamais! Parez pour plongée profonde! Mais capitaine, il faut se battre! Si vous ne les attaquez pas maintenant, les forces de Galbia vont finir par conquérir toutes les mers! Tais-toi! C'est moi qui commande ici! J'ai compris. Vous êtes un lâche, en fait. Vous ne pensez qu'à vous! Je ne vous comprends pas. Ils sont peu nombreux. Vous pourriez facilement les écraser. Au lieu de ça, vous croisez les bras. Regardez comme c'est beau, mes enfants. On dirait que la mer, elle aussi, se réveille sous les caresses du soleil. La mer est une chose vivante, qui respire, qui semble sommeiller et qui a soudain des réveils terribles ou paisibles, comme ce matin. Elle a tant de choses à nous apprendre. Regardez-la, on dirait qu'elle nous sourit. Et pourtant, cette mer semble quelquefois prise de fureur contre tous ceux qui osent la défier. À commencer par nous, les humains. Stabilisez-le à 50. Très bien, continuez. Moteur à 20 nœuds maximum. Ah non, c'est pas vrai. Dites-moi que je rêve. On dirait une route. Oui, c'est sûrement ça. Je suis en train de faire un cauchemar. Ce ne sont pas des hommes qui ont construit cette route. C'est la mer et elle seule. Ce que tu prends pour une route artificielle n'en est pas une, mon cher Ricky. Ce que tu vois, c'est du manganèse à l'état d'oxyde qui provient de la sédimentation des fonds marins. Les courants ont fait le reste pour nous donner l'illusion d'une route. C'est un phénomène parfaitement naturel. Une de ces surprises que nous réservent les océans et avec lesquelles il faut savoir compter. Dites-moi, le Nautilus, c'est vous qui avez eu l'idée de le construire ou est-ce qu'il existait avant, quand vous avez travaillé dans votre centre de recherche? Tais-toi et ne me pose plus jamais cette question.
se passe-t-il, capitaine? Vite, le circuit de secours! Ici, cabine de contrôle! Cabine de contrôle! Contrôle, parlez, j'écoute! C'est la catastrophe! Tous nos écrans sont brouillés! Une compas est devenue complètement folle! Comment ça? Si ça continue, nous allons être emportés par les courants, vers le fond! Vite, il faut rapidement trouver la cause de cette panne! Qu'est-ce qui va arriver si on ne la trouve pas? C'est très simple. Si on ne répare pas très vite, nous sommes perdus. Nous serons entraînés vers les abysses. Sophia! C'est affreux. Quand je pense que je ne vais peut-être jamais revoir ma mère, et tout ça à cause de lui. Je le déteste. Voyons, Sophia. Vous êtes injuste avec lui. Il va faire tout ce qu'il pourra pour nous sortir de là. Faites-lui confiance. À mon père, alors que je me demande s'il a vraiment jamais aimé maman. Oh, il l'aimait sûrement, Sophia. Mais vous savez, quelquefois, les hommes ont du mal à dire des choses aussi simples que « je vous aime ». D'après mes calculs, nous devrions être ici, près du plateau continental au large de la Dominique ou de Porto Rico. Or, d'après ce que j'en sais, personne n'a jamais relevé d'anomalie magnétique dans cette région. Ça ne peut donc pas être ça qui brouille nos écrans de contrôle. Et où est-ce que tu veux en venir, Ben? Eh bien, à mon avis, il y a quelque chose ou quelqu'un qui nous perturbe volontairement. C'est la seule explication. Oh, regardez! Ah. C'est une base sous-marine. Gigantesque. C'est sûrement elle qui provoque toutes ces perturbations. Ça doit être une base de Galbia. Capitaine, il faut absolument la détruire. Non, on va essayer de la contourner. Capitaine, attendez. Si ça se trouve, c'est la base des sous-marins qui nous ont attaqués. Ils ne doivent pas encore être rentrés à la base. Mais Ricky, Ben, non, c'est de la folie, revenez! Tu sais, c'est moins une base de l'Empire. Ce sont peut-être des gens comme nous qu'ils détestent et qui sont venus se réfugier là. Tu crois vraiment? Moment. Inutile de tenter quoi que ce soit, vous êtes cerné! Qu'est-ce que vous allez faire de nous? Les servir à des expériences. À des expériences? Mais oui. Notre maître, le grand empereur Darius, a décidé de créer des êtres hybrides capables de vivre sous la mer comme sur la terre ferme. Et cela sans l'aide d'aucun appareil. Et c'est à cette expérience que vous allez avoir l'honneur de servir. Mais alors, tous ces gens dans ces bulles transparentes? J'espère que cette fois-ci, le professeur va réussir. Je le jure, au nom de l'empereur Darius! Vive l'empereur! Vive Darius le Magnifique! C'est comme ça que vous prétendez servir la science en sacrifiant des dizaines de vies? Vous n'êtes pas un savant, mais un misérable qui a vendu son âme au diable. Parle.
Parlez doucement. C'est bien vous qui venez du sous-marin nucléaire. Mais alors, qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Si je vous laisse la vie sauve, vous m'emmenez. C'est un piège. Je vous jure que non. Je m'appelle Johnson. J'ai été enlevé par la police secrète de Galbia. Ils m'ont conduit ici et ils m'obligent à faire toutes sortes d'expériences effroyables. Je n'ai qu'une idée, m'enfuir. Mais alors, vous devez savoir sûrement beaucoup de choses sur cette base. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils n'ont rien vu du tout. Oh non, trop tard! Je me disais bien que vos dernières expériences laissaient un peu à désirer, mon cher Johnson. Dommage, vous allez subir le même sort que vos deux amis. Nous n'avons pas le choix. Il faut foncer. Tu as raison, j'ai pas envie d'être changé en cobaye. Hein? Ouais, ils font les idiots et c'est sur moi que ça retombe. Barre à tribord, paré pour lancement obus nucléaire. Alors, tu te sens mieux, Ricky? Oui, et c'est bien grâce à vous, capitaine. Alors pour les remerciements, adresse-toi à ma fille. C'est elle qui a insisté pour qu'on vienne à ton secours. Quant à ce monsieur Johnson, j'aimerais en savoir un peu plus sur lui. Monsieur Johnson est un grand savant, capitaine. Il a été enlevé par les forces de Galbia qui l'ont forcé à travailler pour eux, et sans relâche. Un savant, hein? Oui, capitaine. Alors, il peut rester? Après tout, il ne devrait pas beaucoup nous gêner. D'ailleurs, je vous dois bien ça. Grâce à vous, nous avons détruit leur générateur de brouillage magnétique. Et le Nautilus fonctionne à nouveau normalement. Non, ce qui m'ennuie, c'est que Darius va vouloir se venger. Il va falloir qu'on rejoigne le plus vite possible le continent englouti et ses ressources d'énergie. Sinon, je ne donne pas cher de nous. Excusez-moi, vous disiez, capitaine? Non, rien, je me parlais tout seul. Mais enfin, qu'est-ce qui lui prend? Hein? C'est bizarre, docteur. Qu'est-ce qu'il a, à votre avis? Eh bien, apparemment, votre ami a subi un choc si fort qu'il a complètement perdu la raison. Oh, le pauvre homme.
J'en ai assez de ce capitaine Nemo. De quel droit ce misérable ose-t-il narguer le maître du monde en détruisant l'une de mes bases? Mais cela ne va pas se passer comme ça. Je vais l'écraser, cette vermine. D'après nos renseignements, votre majesté, il a mis le cap vers la Terre de Feu. Sans doute pour rejoindre le Pacifique en passant par le Cap Horn. Il cherche sûrement à se réfugier dans le continent englouti. Mais vous devez l'en empêcher à tout prix. Il faut le détruire avant, est-ce que c'est bien compris? Oui, c'est ça fait, majesté. Je pense qu'il ose me résister à moi, Darius, le plus grand tyran que la Terre ait jamais porté. Mais s'il croit qu'il pourra m'empêcher de réaliser mon rêve et de conquérir l'univers entier, il se trompe! Je vais l'exterminer, ce traître, comme j'ai déjà exterminé tous ceux qui se sont opposés à moi! Alors, comme ça, tu t'appelles Johnson? C'est vous? Mais qu'est-ce que vous avez? C'est ma tête, elle me fait mal! Ce n'est rien, voyons. Surtout, veillez bien sur lui. Dites-moi, Johnson, vous êtes sûr que vous n'avez pas déjà vu le capitaine Nemo? Nemo? Mais t'es devenu complètement fou! Excuse-moi, mais j'ai lu autrefois qu'on pouvait guérir l'amnésie par un nouveau choc. C'est ce que j'ai essayé de faire. Vous ne connaissez que la mania forte. Oh, ça vous va bien de dire ça. Qu'est-ce que vous comptez faire pour le guérir? Oh, si je le savais, mon cher, je ne serais pas là. Je serais un grand médecin, tout le monde me couvrirait d'honneur. Il y a pas mal de dégâts. Oui, ce sera dur à réparer. Alors au travail, messieurs, il faut qu'on reparte bientôt. Entendu. Hein? Attendez, mais où allez-vous? Faire un petit tour sur le plancher des vaches. Réfléchissez, capitaine. Notre cher monsieur Johnson retrouvera peut-être la mémoire sur la terre ferme. Bon, assez parlé, on y va. Revenez! Vous entendez? Je vous interdis de quitter le bord. Revenez ici tout de suite! Revenez ou je vous préviens, ça va mal se terminer. S'il vous plaît, père, laissez-les faire. Après tout, ils ne font rien de mal. Il faut essayer de les comprendre. Des jours qu'ils sont enfermés à bord, ils ont besoin de respirer un peu à l'air libre. Il n'y a pas à dire, c'est meilleur que les conserves. Oh, Ricky, regarde, qu'est-ce que c'est que ça? Un chasseur de Galbia. Ne restons pas ici. Regardez, père, c'est un chasseur de Galbia. Oh non! Dépêchez-vous de réparer. Nous ne pourrons pas lui résister très longtemps. C'est bientôt fini, là-dessous. Ça y est, ça devrait tenir. Papa, il a été touché. Capitaine, les réparations sont faites. Parfait, mais avant de plonger, il faut récupérer tous les blessés. Je vais m'en occuper, moi, capitaine. Jim! Ils sont à bout de force, capitaine. Si je les aide pas, ils vont pas pouvoir remonter. Oh. Jim, non! Jim! Jim! Oh, Ricky! Dépêchons-nous, rentrons tous à l'intérieur. Il faut qu'on plonge le plus vite possible.
Jim. Pardonne-nous, Jim. Toi qui avais toujours le mot pour rire, tu nous as donné une leçon de courage. Jamais je ne t'oublierai, mon vieux. T'étais un sacré cuisinier. Jim, adieu, ami. Les amis, venez voir, vite. Hein? Regardez cette tombe. Et vous avez vu aussi cette croix, elle est magnifique. C'est bizarre, il n'y a rien d'écrit dessus, pas même un nom. Excusez-moi, capitaine, vous savez à qui est cette tombe? Venez, il faut partir. Mais enfin, capitaine, je vous ai posé une question. Ça suffit. Quand je donne un ordre, je veux qu'on m'obéisse. Mais voyons, père. Taisez-vous. Je connais Darius, quand il a choisi une proie, il ne la lâche pas. Nous devons repartir tout de suite. J'ai reçu des nouvelles du capitaine Nemo. Il se trouve en ce moment au large des îles Mariannes. Ce qui veut dire qu'il se dirige vers le continent englouti comme prévu. Très bien, il l'aura voulu. Lancez-vous immédiatement à sa poursuite. Il faut le détruire avant qu'il ne soit trop tard. Oh. Alors, les voilà enfin. Parfait, tout le monde au poste de combat. Il va falloir tenir coûte que coûte jusqu'au continent englouti. C'est notre seule chance. Droit devant à 30 degrés ouest, distance 10 km. Ordre de charger les torpilles! Mise à feu! Larguez les torpilles! Capitaine! Eh bien, qu'est-ce qui se passe encore? Ben? Oh oui, c'est bien lui. Il n'y a aucun doute. Cette fois-ci, je le reconnais. Comment? C'est Ricky, je crois que notre ami a retrouvé la mémoire. Eh bien, c'est formidable. Oh oui, je me souviens bien de vous, maintenant. À l'époque, vous étiez président de l'Académie des sciences de Galbia. Non, c'est pas possible. Et pourtant, si, cet homme que vous avez devant vous, c'est lui qui a inventé toutes ces armes effroyables. Ce n'est pas vrai. À la fin, il envisageait même de transformer les humains. Et tout le monde à Galbia racontait qu'il se prenait pour un dieu. Mais en fait, c'était un démon, le plus terrible de tous. Non, je refuse de croire ça. Pourquoi est-ce qu'il serait poursuivi par Galbia à présent? Parce qu'il les a trahis en abandonnant son poste. Ça s'est passé il y a environ un an. Au siège de l'Académie des sciences de Galbia, ce jour-là, une femme s'est présentée à l'entrée. Elle a dit qu'elle était la femme du président. Maman? Maman est allée à Galbia? Elle a vu le capitaine ici présent et l'a supplié de revenir chez eux pour s'occuper de leur seule fille. Mais oui, c'est bien cela. Quand elle est partie, maman m'a dit qu'elle allait chercher papa. Mais c'était compté sans ce monstre de Darius. Chérie, je t'en supplie, retourne chez nous, fais-le pour notre fille. Non, laissez-moi! Thank you.
Pardonne-moi, ma chérie, mais je te jure que je n'ai rien pu faire. J'aimais ta mère plus que tout au monde. Alors, cette tombe, c'était celle de sa mère? Quand le drame s'est produit, j'ai enfin compris que j'allais devenir un monstre. Oh, ma pauvre mère. Oh, Sophia. J'espère qu'un jour, tu me pardonneras. Alors, c'est pour ça que vous vous êtes enfui? C'est moi qui connaissais le mieux l'arsenal de Darius, puisque je l'avais créé. Ma défection était une catastrophe pour l'Empire. C'est pour cette raison que j'ai toujours évité l'affrontement direct avec eux. Alors, si je vous comprends bien, nous n'avons aucune chance de les battre. Pour l'instant, non. Ils peuvent nous écraser s'ils le veulent, mais le Nautilus a des ressources qu'ils ignorent. Si nous parvenons à atteindre ce mystérieux continent englouti, nous pourrons utiliser son extraordinaire potentiel d'énergie, l'énergie même qu'il a fait disparaître à peu près par ici. Si nous réussissons à dompter cette énergie, alors l'Empire sera décimé en quelques minutes. Sophia, pardonne-moi de t'avoir menti, mais c'était pour ton bien. Je te jure que j'allais tout te raconter, mais j'attendais pour cela d'avoir vaincu Darius, ce tyran maléfique qui pourra assouvir sa soif de grandeur et le malheur de millions de gens. Je te jure qu'il payera pour la disparition de ta mère. Alors là, non, je regrette, Ricky, mais il n'est pas question que je me batte aux côtés d'un traître qui a mis son savoir au service de Galbia. Ben. Non, écoute-moi. Après tout, c'est cet homme qui a inventé toutes les armes qui font la puissance de Darius. Et tu voudrais que je reste? C'est absolument impossible. Alors adieu. Attends, je viens avec toi. Ben. Moi aussi, je ne resterai pas une seconde de plus près d'un tel monstre. Je vous... Attendez-moi. Sophia. Sophia! Alors, c'est vrai, tu veux vraiment partir et abandonner ton père? Écoute, je sais bien qu'il a des torts, mais moi, par exemple, eh bien, je vais rester près de lui. Oh, Ricky! Il faut essayer de lui pardonner, même s'il a commis des erreurs. Sophia, je suis sûr qu'il adorait ta mère, et il l'a prouvé, en se révoltant contre son tyran. Crois-moi, il doit être très malheureux. Alors donne-lui une chance de réparer ses fautes. Intervention des troupes d'assaut! Commando, à l'attaque! Envoyez les chasseurs sous-marins, vite! La dernière heure est arrivée, mon pauvre Nemo. Vite, prévenez le capitaine, le troisième réacteur a été détruit.
vite! Tout est perdu. Il faut évacuer le navire. Oh, regarde, Sophia. Nous avons trouvé le monde perdu. Ça alors. Alors le voilà, ce continent englouti. Mais alors tout n'est pas perdu, il nous reste peut-être une chance de récupérer son énergie morte. Regardez comme c'est beau. Il n'y a aucun doute, c'est bien la ville dont parlait la légende. Ce qui veut dire que la chance est avec nous. Darius n'a plus qu'à bien se tenir. Une fois que j'aurai récupéré cette énergie, toutes ses armes auront l'air de jouer à côté des nôtres. Et la victoire sera à nous. Oh ! Il va falloir faire vite. Regarde, regarde, qu'est-ce que c'est que ça? Où ça? Oh, ça alors! Tu as vu cette lumière? Quelle intensité! La voilà donc cette énergie fabuleuse du monde perdu, celle qui a provoqué sa richesse et sa perte. Que veux-tu dire? C'est simple, c'est grâce à cette énergie que ce peuple a prospéré. Mais c'est aussi sans doute à cause de cette même énergie qu'il a disparu. Et la même chose risque bien de nous arriver à force de jouer avec la bombe atomique. Ben, écoute, il faut tout de suite qu'on prévienne Ricky. Je veux bien, mais tu sais, ce sera pas une partie de plaisir. Maintenant, nous sommes perdus. Ben ? Oh, Ricky ! C'est fantastique, on l'a trouvé ! L'énergie dont parlait le capitaine. Avec elle, on devrait pouvoir faire des merveilles. Elle donne une impression de force extraordinaire. Alors, c'était bien vrai ? Sauve-toi, Sophia ! Je ne partirai pas sans toi. Mais tu ne comprends donc pas que tout est perdu pour moi. Avec Ricky, tu as une chance de t'en sortir. Il faut qu'il vienne avec nous. Ricky ! Le monde n'échappera jamais à la folie, à cette même folie destructrice qui a causé la perte du monde englouti et qui causera bientôt la mienne. Comme si l'histoire se répétait à des milliers d'années de distance. Va-t'en, ma chérie, et laisse-moi aller jusqu'au bout de mon destin. Bientôt, je dormirai près de ta mère pour l'éternité. Sophia ! Attention ! Sauvez-vous ! Le Nautilus peut sombrer d'une minute à l'autre. Ricky ! Oui ? Tu veilleras bien sur Sophia. Je vous le promets, capitaine. Mais voyons, papa ! Non, c'est inutile, ma chérie, je dois rester. Et pourtant, j'aurais aimé vous suivre pour finir ma vie à vos côtés. Oh, papa ! Tu vas partir, Sophia, c'est un ordre. Dépêche-toi, allons-y. Papa ! Adieu, ma chérie. Thank you.
Oh non, c'est pas vrai. C'est la catastrophe. J'ai l'impression qu'ils nous ont repérés. Ils nous poursuivent? Très bien. Dans ce cas, on n'a pas le choix. On tente le tout pour le tout. Parce que tu crois vraiment qu'on a des chances de battre cette armada? Oui, en se servant de l'énergie mystérieuse. De toute façon, c'est notre seule chance. Finir par nous. Qu'est-ce que tu attends pour accélérer? C'est ça, pour que les moteurs explosent, tu es fou! Ricky, accroche-toi! Ricky. Ben, dirigeons-nous droit vers la cité engloutie. Allez, dépêche-toi! De l'enfer. C'est le palais du monde perdu. Douze, onze, dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, zéro. Regardez, on a réussi! Leur vaisseau a été désintégré! Hurrah! Nous avons vengé le capitaine Nemo! Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, oh, j'ai mal! Oh, qui? Oh, Sophia!
Jameson? Oui, enfin, je crois, Ben. Oh, si tu te voyais, mon vieux. Commence par te regarder dans une glace.